Salut la gang, François Lemay ici en direct de la Tanzanie. Je viens juste de finir de faire une raid en montgolfière qui était totalement hallucinante. La gang, je vais vous montrer des photos. C'est un moment magique, vous savez. Notre voyage en Tanzanie, c'est comme c'est rempli de magie par-dessus magie, par-dessus magie, par-dessus magie. Puis je me rends compte pourquoi en fait, parce que tous les gens qui sont venus avec moi dans le voyage, c'est des gens qui me connaissent, c'est des gens qui me suivent, des gens que je sois qui ont lu mon livre, qui ont fait mes formations, qui me suivent sur Facebook. Donc, c'est des gens qui ont comme valeur la liberté, la connexion, le plaisir, la découverte. Puis là, ici, là, mais on découvre tellement de choses, des coins du monde, d'un paysage, des cultures, des animaux. Et là, on revient d'une raide en montgolfière. Et le défi, c'est Soyons le changement cette semaine, ce que j'ai envie de vous faire. Hein. Premièrement, merci de partager tout comme vous le faites. Vous êtes tellement hallucinant, la communauté Soyons le changement. Déjà plus de 15 000 personnes sur le groupe privé Soyons le changement. N'hésitez pas à taper Soyons le changement pour demander. C'est totalement gratuit. Et vous allez avoir des surprises en cours de route. Mais là, cette semaine, pour le sixième défi de l'année, si je ne me trompe pas, sixième ou huitième défi, septième défi de l'année, je vous dis, vous savez, je reviens dans montgolfière et je pensais à ça, je me disais, de temps en temps, il faut prendre de la hauteur sur notre vie, il faut prendre de la hauteur sur notre façon de vivre les choses, notre façon de percevoir ce qui est. Et c'est ce qui se passait un peu en montgolfière, parce que imaginez si je suis ici et je vois ma vie de cette façon-là tout le temps, tous les jours, je suis toujours en train de voir ma vie de cette façon-là, mais peut-être qu'à un moment donné, les grains d'herbe vont me gosser, puis je vais me mettre à voir juste des grains d'herbe, puis ça va devenir fatigant. Mais si je prends de la hauteur, puis de la hauteur, puis de la hauteur, puis de la hauteur, puis j'arrête de me prendre au sérieux, comme je vous dis bien souvent, j'arrête de me prendre au sérieux, mais peut-être que je vais voir des solutions, peut-être que je vais voir autre chose. Et le défi cette semaine, je vous dis, est-ce que vous pouvez prendre de la hauteur sur certains défis, sur certains axes que vous voyez? Peut-être vos problèmes financiers, peut-être votre relation de couple, peut-être, je ne sais pas, votre carrière, peut-être juste de prendre de la hauteur et dire, OK, est-ce que je me prends trop au sérieux au travers de tout ça? Parce que, Jumbo! Parce qu'en fait, imaginez que si vous êtes dans votre salon, vous êtes en train de dire « Oh my God, j'aime pas ça, mon ami me dit ça, ou mon boss me dit ça, puis je suis obligé de rentrer. » Mais imaginez, vous vous élevez un petit peu plus haut en montgolfière, mais même encore. Et là, vous voyez comme le Québec ou la France, puis vous voyez l'Amérique, vous voyez l'Europe, puis vous êtes dans l'espace, vous voyez la belle planète Terre. Dites-vous que la personne que dans cette maison-là, dans ce salon-là, est en train de se dire « Mais moi, j'aime pas ma vie! » Gang, je pense qu'on se prend peut-être trop au sérieux dans la vie. Et pour ça, il faut prendre de la hauteur sur notre situation. Puis souvent, moi, je me dis, dans des moments où est-ce que je commence à me prendre trop au sérieux, je commence à me dire, mais ta gueule, prends un recul sur ce que tu es en train de vivre. Et c'est un peu ce qu'on vivait en montgolfière tantôt. Juste prendre un recul. Et par cause à effet, on se calme. C'est comme si on se reconnectait avec qui on est vraiment. Puis écoute, je me sens plein de gratitude, gang. Fait que cette semaine, vous prenez de la hauteur, puis ça nous permet de se détacher davantage. Puis, je m'en vais prendre une photo avec ma belle gang. Suivez-moi. Je suis en direct pour mon Soyons le changement. Good, je m'en viens. Wouhou! Prends photo avec nous. Oui, here. Je vous garde avec moi, la gang. Es-tu ouvert, chérie? Tiens ça, je vais juste tenir ça. Salut, la gang! Oh, capote! C'était tellement cool! Bon, je vous reprends François. Bye! Coucou la gang! Hey! Est-ce que c'était cool notre montgolfière, gang? Oui! Allez, ici, on est avec la gang de Soyons le changement! Wouh! Et vous êtes ici! Assieds-toi! Après ça, je vous parle! Assieds-toi donc, on part! Cheese! Yeah! Okay. Ça, c'est ça, voyager, parce que tout le monde prend des photos de tout leur téléphone au lieu de partager photos. Ouais, c'est vrai, hein? C'est les miennes, les plus belles. Oui, il en reste juste trois. On fait semblant d'être heureux, OK? C'est bon pour le marketing. Jumbo. Jumbo, buena. Abari, gani. Zuri, sana. Wagiri. Wagiri, bishwa. Cheese. Akuna, matata. On sait plus où regarder. Cool! T'as de l'eau? Regarde, vous êtes devant 200 000 personnes en même temps, c'est ça qui est cool. T'es en direct, là? Puis on n'est pas à notre meilleur, c'est ça qui est pire, hein? T'imagines? Cheese! Je vais peut-être le couper finalement, on verra. Si j'ai pas de photos de OK! Cool! Alors, gang,
j'ai emmené un petit peu avec moi, hein, juste pour vivre tout ça, mais c'est un voyage exceptionnel. On est là pour s'amuser. Prenez de la hauteur, prenez de la hauteur, prenez de la hauteur sur votre vie. J'ai vécu ma dépression, j'ai vécu ma faillite, j'ai vécu plein de problèmes, plein de défis moi aussi, puis on a envie de temps en temps. Mais il faut prendre de la hauteur, puis il faut arrêter de se prendre trop au sérieux. Je vous le dirai jamais assez. Alors, c'est François Lamy qui vous dit, cette semaine, on se prend plus au sérieux, on essaie de décoller, prendre de la hauteur sur nos problèmes, se dire, est-ce que je suis en train de me prendre trop au sérieux? En direct de l'Afrique, qui vous dit « Je vous aime, je vous adore ». On se reparle très bientôt. Bye tout le monde.